Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous montrer comment enregistrer une page internet pour la conserver avec ScreenGrab, qui est un plugin pour Firefox. Alors déjà, si vous souhaitez enregistrer une page internet, ici je suis sur la page du forum de janvier, je vais sur Fichier, Enregistrer sous, et je fais Enregistrer. Donc là, il y a un téléchargement qui est en cours, qui est en train de récupérer la page internet. Voilà qui est fait. Je me retrouve sur mon bureau avec donc la page internet que je peux ouvrir. Voilà. Donc la page internet est bien sauvegardée. Et attaché à cette page, il y a un dossier. Voilà, donc avec la mise en page, les feuilles de style et les images. Donc c'est un peu lourd. Une autre solution est d'utiliser ScreenGrab de Firefox. Bon, je vais redémarrer Firefox. Je vais me remettre sur la page du forum de janvier. Voilà, j'ouvre un nouvel onglet et on va aller récupérer le module pour Firefox. Je vous mettrai le lien direct pour télécharger le plugin, comme ça ira plus vite. Alors, il s'appelle ScreenGrab. Et le voilà. Donc, je clique sur Ajouter à Firefox. Voilà. Je clique sur Installer maintenant. Voilà qui est fait. Veuillez redémarrer pour terminer l'installation. Donc, je clique ici sur Redémarrer Firefox. À redémarrer. Alors ScreenGrab va enregistrer la page internet sous forme d'image. Voilà, c'est un petit peu moins lourd que la procédure de tout à l'heure. Alors Firefox est en procédure de redémarrage. Voilà qui est fait. Le module est bien installé, il s'est rajouté dans mes modules. Je reviens sur la page de janvier, le forum. Donc vous voyez ici en bas à droite, il est là ScreenGrab, hein, c'est cette icône. Donc si je souhaite par exemple sauvegarder cette page, je fais clic gauche, save. Je peux soit sauvegarder une sélection de la page, la portion visible donc à l'heure actuelle, ou l'intégralité de la page. Alors, je peux faire complete page frame. Voilà, je fais enregistrer. Et je me retrouve donc ici sur le bureau avec une image PNG. Je double-clique dessus. Et voilà, j'ai sauvegardé ma page. Alors vous allez me dire que c'est pas très présentable, mais vous avez ici le zoom. Donc pour agrandir la page internet, elle est sauvegardée sous forme d'image. Voilà, je peux la remonter. Et voilà.